Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, cher Sébastien, Monsieur le Préfet, cher Simon, Monsieur le Directeur de Général du Musée, cher Cyril, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième édition du Forum de Giverny, qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de faire fleurir son impact. Et notre réunion se tient dans un cadre d'exception, à Giverny, ici, au Musée des Impressionnismes, dont l'exceptionnelle qualité des expositions en fait un lieu culturel. Désormais incontournable. N'hésitez pas d'ailleurs à profiter de cette journée pour découvrir l'été de la collection. Je tiens d'ailleurs à remercier son directeur pour son accueil, cher Cyril Siama. Je profite de cette tribune pour remercier Sébastien Lecornu, d'abord pour son accueil dans le département de l'Eure, dont il est président, et un département où les sujets d'inclusion sont cruciaux et où les défis sont nombreux. À la tête du ministère des Armées, vous êtes le premier acheteur public le deuxième recruteur et employeur public, le premier occupant du domaine foncier de l'État et le premier consommateur d'énergie publique. Bref, vous êtes celui qui peut impulser un nouveau modèle grâce à de précieux leviers. Enfin, c'est bien sûr euh, grâce à votre implication et à votre travail, chers membres du cercle, à votre participation active, chers intervenants, à votre soutien, chers partenaires, et à votre confiance à toutes et à tous, que le premier rendez-vous annuel de la RSE peut avoir lieu et connaître un nouveau succès. Depuis le mois d'avril, une centaine d'experts, dirigeants et acteurs de la transition ont mis leur savoir et leur, leur expérience au service de l'accélération de la transformation écologique et sociale de la France et de l'Europe. Je tiens à les remercier particulièrement pour leur travail précieux et j'espère utile. Alors cette année, les cinq groupes de travail du Cercle de Giverny ont formulé des propositions concrètes, ambitieuses et mesurables, abordant les problématiques de data, d'attractivité des métiers de la transition, de e-commerce, de résilience et de communication responsable. Et nous sommes heureux de vous dévoiler aujourd'hui ces trente propositions que vous avez dans vos tote bags. Nous plaidons dans ces propositions pour un usage de la data au service du développement durable tout au long de la chaîne de valeur et des processus de décision. Car nous croyons en l'innovation technologique comme source de progrès pour l'humanité. Nous plaidons pour une transformation des organisations pour attirer les jeunes talents. Car si nous voulons donner envie aux jeunes, les recruter et les fidéliser, alors nous devons adapter nos modèles économiques. Nous sommes convaincus que la jeunesse constitue une ressource exceptionnelle pour transformer nos organisations. Nous plaidons pour un e-commerce qui valorise la circularité et le made in Europe et poursuit la décarbonation de son modèle. Nous plaidons pour une entreprise qui accompagne les employés, aidant ou vulnérables, attentive à leur anxiété afin de contribuer à notre résilience collective et à un impact positif sur le monde. Enfin, nous plaidons pour une communication responsable qui promeut, autant qu'elle met en place, des bonnes pratiques et une mesure harmonisée de l'impact environnemental et social des campagnes. Alors, beaucoup d'entre nous ont été interpellés cet été par la une de The Economist euh, qui reprenait les théories d'Elon Musk consacrées à l'ESG. De notre côté, nous avons la conviction que la RSE, mettons derrière plein de mots comme l'ESG, la sustainability, l'impact, le développement durable, bref, la RSE doit être systémique. Alors, oui, la multitude de méthodes et d'indicateurs ESG, la subjectivité que dénonce The Economist, est une difficulté et un obstacle. Oui, il faut certainement mesurer l'impact des entreprises sur l'environnement d'une meilleure façon et avec moins d'indicateurs. Oui, la voie est difficile pour trouver des standards internationaux et européens, mais c'est bien pour cela que le Cercle de Giverny travaille sur ces sujets. Alors je le raccorde, face à l'urgence climatique, la réduction des émissions carbone doit être un indicateur central à toute stratégie RSE. Toutefois, une stratégie RSE qui serait vertueuse pour l'environnement, mais lacunaire sur les aspects sociaux et de gouvernance, serait insuffisante. Aujourd'hui, face à des grilles ESG à l'américaine, donnant souvent la priorité aux critères sociétaux, au détriment des critères environnementaux et climatiques, nous plaidons pour une ESG à l'européenne, une ESG équilibrée, réaliste et mesurable. La France a d'ailleurs un rôle pionnier en matière de méthode ESG, et ce nouveau quinquennat est une opportunité unique et historique d'affirmer l'engagement RSE de nos entreprises, par le biais notamment de la planification écologique et de la loi programmation énergie-climat qui doit être finalisée l'année prochaine. Le SAC de Giverny croit en la force de frappe des entreprises pour modifier le cours de l'histoire. Les vrais héros des temps modernes sont les acteurs qui changent les choses de l'intérieur du système, qu'ils soient entrepreneurs, chercheurs, inventeurs, élus, scientifiques, acteurs associatifs ou encore engagés au sein de nos entreprises et de nos institutions financières. Si vous êtes à Giverny aujourd'hui, c'est parce que vous le croyez aussi et c'est parce que vous êtes engagés pour la transformation. Alors j'aimais le souhait qu'à qu l'issue de cette euh, quatrième édition, euh, chacune et chacun d'entre vous devienne euh, ambassadrice à nouveau et ambassadeur de nos propositions qui sont désormais les vôtres. Merci à toutes et à tous et bon forum.